Salut tout le monde, c'est Toxic, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite en français de Tales of Destiny. Donc on a réussi à s'échapper au travers d'une capsule de sauvetage du dragon volant. On est donc équipé de Dimlos qui est une Swordian, une épée donc qui est habitée par une âme. Pour ce détail, on va y revenir un petit peu plus tard dans l'aventure. Inconscient, on semble avoir été sauvé par un bonhomme qui s'appelle Gar et qui semble être un voyageur tel que nous. Bref, on continue l'aventure, c'est parti. Chelsea, Gar! Quelque chose ne va pas? C'est grand-père qui t'envoie? Que veut-il encore? Il a apparemment vraiment besoin de toi. Il aurait besoin que tu raccommodes ses boutons de pantalon. Ses boutons de pantalon? C'est pour ça qu'il t'a fait venir? C'était un maître archer renommé autrefois. C'est tellement embarrassant. Non, il n'y a pas que ça. Le maître était vraiment inquiet. Il craignait que tu sois encore perdu. Je ne suis pas perdu. J'étais parti me balader avec Kayake et les autres. On s'amusait bien, du coup on n'a pas vu le temps passer. Je ne suis pas du tout perdu. Vous me traitez toujours comme une gamine. Eh bien, une jeune fille de 14 ans reste une enfant. Rentrons avant qu'il ne fasse nuit. Tu continues de me traiter comme une gamine. Au fait, qui est-ce? Voici Stan, c'est un voyageur en quête de fortune et célébrité. Je m'appelle Stan Elron, heureux de faire ta connaissance. Comment allez-vous? Je m'appelle Chelsea Thorne, je suis la petite fille de Maître Alba. Je suis honoré de faire votre connaissance, monsieur. Honoré de faire ma connaissance? Eh bien, tes manières sont excellentes pour quelqu'un de ton âge. C'est difficile de grandir avec un grand-père dépendant. «
C'est aussi dur pour le maître d'avoir une petite fille qui se perd tout le temps. Bref, allons-y. Ah, vous êtes de retour. Oui, nous venons de rentrer. Je suis heureux de voir que vous êtes sauf. Grand-père, tu ne peux pas recoudre tes pantalons toi-même? Du calme, petite. Tu as tout le temps de le faire. Pas vraiment, non. Ah bon? Évidemment, je ne vais pas rester ton esclave éternellement. Ça suffit, Chelsea. Gare, tu tranches de son côté? Tu ne devrais pas le plaindre sans arrêt. Si je ne m'affirme pas, jamais je n'aurai le dessus sur lui. Je vois! C'est donc comme ça que les jeunes se rebellent et abusent d'un vieil homme sans défense? Quel vieil homme sans défense? N'as-tu donc aucune reconnaissance envers celui qui a pris soin de toi jusqu'à maintenant? Je crois que je vais faire une dépression. Ça va, je vais les recoudre tes pantalons, mais c'est la dernière fois! Oh, tu es une crème, Chelsea est si gentille. Maître, que voulez-vous dire par vieil homme sans défense? Oh, n'y prête pas attention, je ne faisais qu'exagérer. Ah oui, j'ai une récompense pour vous remercier tous les deux d'avoir ramené Chelsea. Je vous en prie, maître, nous sommes des adultes. Entendu, gare, rien pour toi alors. Donc, Stan, c'est ça? Oui, monsieur. Tiens, je te l'offre. Bon, inutile de geler dehors, rentrons à l'intérieur. Au fait, où te rendais-tu avant que l'on te trouve? J'étais en chemin pour Daryl Shade, du royaume de Sénégald. Ah, Sénégald. Tu dois traverser Janos pour t'y rendre. Janos?
C'est une ville frontalière au sud-ouest, entre Sénégal et Fandaria. Je peux te conduire à Janos si tu veux. Qu'en dis-tu? Avec plaisir, merci. Car tu reviens après? Pas tout de suite, maître. Je pense me rendre chez moi quelque temps. Je vois. Salue ton père de ma part dans ce cas. Quoi? Tu m'abandonnes, Gar? Bien, c'est que j'ai beaucoup à faire. Sois sage, je reviens très vite. Chelsea t'attendra avec impatience. Et ne sois pas si formel. Merci pour tout. Prends soin de toi, fils. On y va, Stan? Oui. Si tu passes la porte nord, tu arriveras à Sénégal. Merci pour tout. Pas de quoi, bon voyage.
Merci, prends soin de toi. Merci, au revoir et bonne chance. Enfin parti. Pourquoi es-tu resté muet? Je ne lui fais pas confiance. Pourquoi donc? Il est sympathique. Écoute, il connaissait mon existence. Eh bien, moi aussi. Tu es spécial, tu es l'élu. L'élu? Eh, que ça ne te monte pas à la tête, tu as encore beaucoup à apprendre. Beaucoup à apprendre. Bref, fais profil bas. Pourquoi? Pourquoi? Réfléchis un instant. Une minute, Dimlos. Je ne parlerai que si c'est absolument nécessaire, c'est compris? C'est agréable de regarder les autres boire en toute sérénité. À ce qu'il paraît, le prince de Fandaria ferait le tour du monde. Halte, si vous voulez passer, montrez vos papiers. Pardon? Je ne peux pas vous laisser passer sans passeport, circulez. Je ne sais pas quoi faire. J'ai de gros problèmes. Il semblerait que j'ai perdu mon passeport pour Fandaria. Je dois y retourner très bientôt, mais sans passeport, impossible de m'y rendre. Oh là là, je suis dans une... Où ai-je bien pu égarer ce fichu passeport? Nous avons trouvé un passeport. C'est le vôtre? Même si je dis que oui, c'est probablement pour la mauvaise ville. De plus, il appartient à quelqu'un d'autre. Un problème? Ce n'est pas le vôtre? Eh bien non. Si vous cherchez votre passeport, je crois qu'un soldat du poste frontalier l'a trouvé. Vraiment? Je dois aller le récupérer. Merci de m'avoir prévenu. Prenez ceci en gage de remerciement. Qu'y a-t-il? Où puis-je obtenir un passeport? Lorsque vous êtes arrivé en ville, le garde ne vous en a pas donné? Vous ne l'avez plus? Eh bien, c'est que si vous n'en avez pas, c'est que soit vous êtes un criminel, soit un étranger en situation irrégulière. Non, non, ce n'est pas ça. C'est juste que je ne l'ai pas sur moi. Oui, oui, bien sûr. Bref, j'aurais discuté davantage avec plaisir, mais je suis pressé. Je dois récupérer mon passeport. Merci de votre aide. Tu es stupide, Stan. Pourquoi dis-tu ça? Tu aurais dû prendre le passeport de ce type pour partir d'ici.
et je serais parti dans le mauvais sens. Je veux aller à Sénégal, pas Fandaria. Qu'importe, tu dois sortir de cette ville d'une manière ou d'une autre. Et personne ne t'a appris que c'était mal de voler? Ce n'est pas du vol, cet homme l'a fait tomber. Trouver, c'est garder. C'est la même chose, tu te trompes. Ok, si tu veux. Tu peux courir pour que je te donne de nouveau un conseil. Wow! Tout va bien? Pardonnez-moi, je ne faisais pas attention car j'ai la tête ailleurs. Pour être honnête, j'ai un gros problème. Vraiment? Que t'arrive-t-il? En fait, c'est plutôt mon ami qui a de sérieux problèmes. Elle a été piégée dans les ruines des montagnes enneigées. Ça a l'air sérieux. J'aimerais lui venir en aide, mais c'est impossible tout seul. Je vois, je vais t'aider. Vraiment? C'est très gentil. Je m'appelle Marie Argent, mais appelle-moi Marie. Je m'appelle Stan Elrond. Allons-y. Nous devons prendre la sortie est de la ville pour atteindre la montagne. Entendu, passe devant. Stan, tu es vraiment naïf. Ne souhaitais-tu pas aller à Sénégal? Tu peux te taire. Je ne peux pas abandonner quelqu'un dans le besoin. Pardon? Tu parles à qui? À personne. Dépêchons-nous. Voilà, c'est la fin de cette petite session, j'espère qu'elle vous aura plu, que les traductions vous semblent plutôt bonnes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, ça me fera super plaisir. On va rencontrer bientôt un autre personnage très important qui va rejoindre notre équipe. Donc je vous en dis pas plus et je vous dis à très bientôt pour la suite. Allez, salut !